Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de nouveau dans un endroit très très sympa, comme vous pouvez le voir. Hop. Et oui, magnifique, je voulais vous montrer. Ah, les canards qui se battent. Ça va être un duel terrible. Voici donc un nouveau cours de hongrois. Vous préférez avec ou sans lunettes? Moi, j'y vois plus clair avec, je vous avouerai. Donc voilà, on va de nouveau voir les oppositions, les contraires, mais cette fois-ci avec certains verbes. S'asseoir, leülni. Leülni. Ülni, c'est asseoir, être assis. Donc leülni, vous savez, on a appris tous les préfixes, les suffixes, etc. Donc le, vers le bas, ülni, s'asseoir. Donc s'asseoir, leülni. Se lever, felállni. Fel, donc vers le haut, állni, c'est être debout. Felállni, c'est se lever. Faire, csinálni. Csinálni, csinálni, faire. Défaire, szétszedni. Szétszedni, szétszedni. Szét, c'est, ça veut dire vraiment, je sais pas comment on dirait en français. En anglais, on dirait apart. Donc vraiment défaire, enfin séparer ou voilà. Et sedni, c'est comme sedni, ça peut aussi être ramasser ou des choses comme ça. Donc défaire, c'est sedni. Je ne sais pas si c'est bien clair pour vous, mais en tout cas, dans ma tête, à moi, c'est très clair que c'est fait avec un préfixe et un autre mot. Et que voilà. Donc, j'espère que dans votre tête, à vous, c'est clair aussi. Sinon, n'hésitez pas à mettre des commentaires auxquels, en général, je réponds. Et comme ça, vous pouvez aussi vous aider entre vous. Même si moi, je ne réponds pas, il y a d'autres personnes qui savent aussi, qui ont également des réponses et qui peuvent... bien évidemment, vous les donner. Remplir, feltölteni, donc fel, vers le haut, de nouveau. Tölteni, tölteni, remplir, feltölteni, remplir. Ou on peut aussi dire, pour dire remplir jusqu'à ras-bord, tele, tele, ça veut dire jusqu'en haut, enfin plein, tele, tölteni. Tele, tölteni, on a seul mot. Hein. Donc feltölteni ou telatoltani, remplir. Et vider, uritani. 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 Vider. Aller, menni. Menni. Venir, jönni. Jönni. Alors, ces deux verbes-ci sont très importants pour ce que je vais dire juste après. Monter et descendre. Donc, monter, felmenni, felmenni, donc vers le haut, aller, felmenni, monter, et descendre. Alors, descendre, c'est un petit peu plus compliqué, n'est-ce pas? Parce qu'on peut descendre de deux manières, en hongrois. On peut descendre vu d'en haut, c'est-à-dire, on est en haut et on descend, c'est lemenni. Le, c'est vers le bas. Menni, aller. Le menni. Et on peut descendre vu d'en bas. Et quand on descend vu d'en bas, on dit lejönni. Donc c'est aussi descendre, mais le, donc toujours vers le bas. Jönni, c'est venir, comme on a vu juste avant. Donc le menni ou lejönni veulent tous les deux dire descendre. Je sais, c'est compliqué. Ça dépend du point de vue. Ça dépend d'où on se place. Vous voyez, les deux sont des vérités qui existent. Mais il y en a un qui voit cette vérité d'en bas et l'autre voit la vérité d'en haut. Et les deux ont raison. C'est-à-dire, les deux descendent. Mais il y en a un qui descend vu d'en haut et il y en a un qui descend vu d'en bas.
Ouais, je sais. C'est... Bon, enfin bon, vous pouvez utiliser celui que vous arrivez à retenir, on va dire ça comme ça, voilà, ce sera le plus simple. Donc le mot que vous arrivez à retenir, ce sera le bon, bingo. Mais sinon, en réalité, c'est lionly ou lemony, ça dépend du point de vue. Et par exemple, vous êtes en bas et vous voulez appeler quelqu'un qui est en haut et vous lui dites « descends ». Ben vous lui dites « djerele ».« Djere » vient « le » vers le bas. « Djerele ». Si vous êtes en haut et que vous voulez dire à quelqu'un de descendre, vous, vous êtes en haut et vous lui dites « menyele ». Ça veut dire « toi, descends ».« Menyele » va « le » en bas. « Menyele ». Donc, si vous êtes en bas, « djerele ». Si vous êtes en haut, « menyele ». Donc, vous voyez, il y a deux manières de descendre. Voilà. Bon, j'espère que ces clairs n'étaient précis dans votre tête. Passons à la suite. Ouvrir, nitni, nitni, nitni. Et fermer, zarni, tchoukni. Tchoukni, c'est vraiment juste fermer. Et zarni, c'est fermer à clé. Acheter, venni. Venni, venni. Vendre, elodni. Elodni, elodni. El, c'est vers l'extérieur, et odni, c'est donner. Donc, donner vers l'extérieur, c'est vendre. Elodni. Alors, monter, pas dans le sens de monter les escaliers, mais dans le sens de réparer quelque chose, donc monter un meuble, faire un montage, monter une voiture. Même si je ne sais même pas si on peut dire monter une voiture. Enfin bon, c'est pas grave. Donc monter, n'est-ce pas, dans le sens de monter quelque chose, c'est serelni. C'est aussi dans le sens de réparer. Serelni. Monter, réparer. Serelni. On peut aussi dire öserokni. Ö-se-rok-ni. Ö-se, ça veut dire ensemble, et rok-ni, c'est mettre. Donc les mettre ensemble, ö-se-rok-ni. Monter, serelni, ö-se-rok-ni. Mais serelni, c'est plus dans le sens de réparer. Hein. Démonter, sed-sed-ni. 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 Démonter, c'est la même chose que défaire. C'est « setsedni », démonter. Donc, défaire ou démonter, ça se dit les deux « setsedni ». Logique. On a des mots pour dire un truc, on le dit avec deux mots. Et puis, on a d'autres mots pour dire deux trucs, on le dit avec un mot. Voilà, tout va bien. Donc, faire, défaire, monter, démonter, même combat. Enfin, presque. Et un dernier pour la route. Habiller, öltözni, 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 habiller. Déshabiller, vetközni, vetközni, vetközni. Öltözni, vetközni, habiller, déshabiller. Vous voyez, quand je vous parle de ça, j'ai la chanson en tête. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi, même si je sais que je chante pas très juste, mais pas tout de suite, pas trop vite. Bon, allez, sur ce, je vous laisse parce que je sens que ça y est là, c'est tout part en live. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye. Et si vous voulez savoir où sont filmés ces magnifiques paysages, c'est à Malbun, au Liechtenstein. Donc le Liechtenstein, c'est une toute petite principauté, un petit peu comme Monaco, mais on a un petit peu plus grand quand même. Et là, c'est pas au bord de la mer, c'est dans la montagne. C'est entre la Suisse, l'Autriche, et pas très loin de l'Allemagne aussi. Et c'est vraiment des paysages magnifiques. Je vous invite à venir voir. Et pour ceux qui aiment skier, ils ont aussi des superbes pistes de ski, donc ski de fond, ski alpin, ils ont tout. Et c'est très très beau, donc venez, venez voir comme c'est beau par ici. Kocsaház.
La maison des canards.